Amis de la fanpage Wheezywear et à vous tous qui suivez la chaîne YouTube du shop Wheezywear, du shop Strictly Authentique, je m'adresse à vous aujourd'hui dans un moment solennel pour vous souhaiter une bonne année, qu'elle vous soit Strictly Authentique. Donc je voudrais aussi en même temps remercier Nico qui me donne un petit coup de main pour l'unboxing, le premier unboxing de l'année 2014 et aussi Adrien qui filme derrière, donc merci à eux. Et donc c'est parti. Alors pour le premier unboxing de l'année, alors une petite surprise, bon je sais déjà ce que c'est, je me suis préparé aussi, mon cutter fonctionne, allez, ouvrons. Bon, j'espère que pour vous les fêtes ont été bonnes, que le Père Noël vous a récompensé, tout ça, parce que j'ai pas mal de choses qui pourraient vous intéresser, voilà, ok, donc comme vous le voyez, c'est de la New Balance. Cette partie-là, je vais la découvrir avec vous. Donc, deux boîtes, deux styles de boîtes. Donc, deux styles de New Balance. Alors, la gamme, une première gamme, la gamme 410. Donc, c'est une gamme 410 assez sympa avec... là, on est rentré clairement dans la collection printemps-été. Avec un tissu aéré, piqué même, je dirais. Donc voilà, une petite chose un petit peu à la Nike. Donc là on est sur de la running vintage, donc de la 410 en Bordeaux. Sympa, je pense que à Chalon on apprécie principalement tout ce qui est 410 et 420 parce que ça fait un petit pied fin. Mais les puristes, je dirais, préféreraient le modèle 574 qui se rapproche de la 577 qui est le modèle original. Donc je sors celle-ci. Je regarde, je découvre en même temps. Ok, bon, celle-ci. Voilà, c'est une 574. Voilà, avec ripstop sur le devant. Suède ici, sur le côté. Et puis une piqûre, le logo qui est cousu en deux couleurs, en cuir beige et en suède bleu. Donc une finition digne d'une 574. Voilà, prochainement je sais que j'aurai aussi la 577 que j'avais déjà eu au shop. Donc voilà, petit modèle que j'aime bien moi. Perso, j'aime beaucoup la forme de la 574. Après, c'est juste une question de goût. Alors je regarde au cas où, il m'est livré d'autres modèles, d'autres coloris. Comme je vous ai dit, je découvre aussi en même temps que vous. Alors, excusez-moi si ça prend un petit peu de temps. On est vraiment en direct, même si vous le voyez, vous le verrez post-production. Voilà, donc ça c'est fait. Nico, ça va, tu ne trembles pas? Tu ne trembles pas, toi, le DJ? Non. C'est bon, ça va, Nico? Adrien, ça va, je suis pas trop long? Non, non. Voilà, ok. Donc, tac. Donc, non, mais c'est bon, c'est les mêmes coloris. Alors, j'avais déjà ouvert une boîte de New Balance que j'avais déjà sortie. Tu peux rester là, je vais m'en occuper. Voilà, vous avez ce modèle-là, hein, toujours la même 410 que tout à l'heure. Sauf que le coloris a changé. Là, on est sur un coloris bleu, voilà, qui fait très printemps, très été. Donc, sympa. Suède gris derrière et piqûre ici, logo piqué en cuir ici. Sympa aussi. Et un petit modèle aussi qui se marie bien avec la 574. Vous avez la 420 ici, pareil, un ripstop. Avec le suède juste là sur les côtés, le logo cousu en cuir derrière, et puis derrière aussi le suède gris. Voilà, donc c'était l'unboxing, le premier de l'année, unboxing dédié à New Balance. Donc 574, la 420, la 420 vintage et la 410 dispo chez Wheezywear Shop. Le shop Strictly Authentique. Et, ah, j'ai raté. Il est parti. Voilà, ça se trouve ici sur facebook.com/Wheezywear. À bientôt. Laissez vos appréciations. Faites tourner. Et puis passez au shop. Merci. Peace.